Le bassin du Congo est la deuxième plus vaste forêt tropicale contiguë dans le monde. Il constitue une réserve de carbone d'importance internationale permettant de réguler les émissions de gaz à effet de serre. La déforestation se réalise à un rythme alarmant d'environ 13 millions d'hectares par an. Cette déforestation entraîne la libération du carbone à l'origine stocké dans les arbres sous forme d'émissions de dioxyde de carbone. Le carbone, c'est cette molécule-là qui se retrouve dans l'air et qui a plusieurs origines. Quand vous démarrez votre voiture, le carburant brûle et ça donne du carbone. Quand vous brûlez le bois, un morceau de bois, généralement ce morceau de bois brûle en libérant ce qu'on appelle le carbone. Et dans l'air, le carbone est sous forme d'une molécule qu'on appelle CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique. Ce carbone dans l'atmosphère limite, entraîne le réchauffement de la basse atmosphère. Parce que quand on dit réchauffement climatique, c'est notre basse atmosphère. Quand on vole en avion, vous vous rendez compte qu'au-dessus de la basse atmosphère, il fait extrêmement froid. C'est cette basse atmosphère qui est réchauffée à cause de la présence de ce gaz carbonique qui est important pour les plantes. Et ceux qui ont déjà fait la formule de la photosynthèse ou bien la photosynthèse savent que la concentration du carbone dans l'atmosphère va jusqu'à un certain niveau. Au-delà de cette densité-là ou bien de cette concentration-là, il est inutile pour la plante. Donc, le gaz carbonique qu'on retrouve actuellement dans l'atmosphère est supérieur à la norme. C'est pour cela qu'il faut des arbres pour capter, pour absorber ce carbone-là. Et c'est là qu'on parle de séquestration de carbone. Quand vous êtes séquestré, vous êtes en prison. Le carbone est emprisonné dans l'arbre. Et tant qu'on ne brûle pas l'arbre, tant qu'on ne coupe pas l'arbre, le carbone ne s'évapore pas. Donc, le carbone qui est dans l'air cause ce qu'on appelle scientifiquement effet de serre. C'est-à-dire ça retient le rayonnement au niveau de la basse atmosphère, ce qui fait que cette basse atmosphère se réchauffe. Et c'est là la base des changements climatiques. Au regard de ces données, peut-on mesurer vraiment le carbone? Oui, disent certains spécialistes. Scientifiquement, on peut mesurer le carbone, que ce soit dans l'atmosphère, dans la plante ou bien dans le sol. Parce que le carbone se trouve dans ces trois composantes-là. On l'a dans la plante. L'arbre absorbe pour fabriquer sa substance organique, pour nous produire les fruits que nous consommons, parce que c'est le carbone qui est dans ce fruit. Pour le mesurer maintenant dans l'atmosphère, il y a des méthodes appropriées. Pour le mesurer dans l'arbre, il y a également des méthodes appropriées que nous voulons vulgariser même au niveau des populations locales. Parce que quand vous avez une certaine masse de végétal, qu'on appelle biomasse, cette masse végétale est constituée d'eau, tout comme chez l'homme. L'homme boit de l'eau, l'eau est présente dans ses tissus. Donc, cette masse végétale a une certaine quantité d'eau, environ 70%. Et quand on sèche la masse végétale, en principe, il ne reste plus que le carbone et les substances minérales. Parce que l'arbre va prendre le phosphore, le nitrate, les substances minérales dans le sol. Avec ces substances minérales et le carbone qu'il capte dans l'air, il va fabriquer sa propre substance. Quel est donc le rôle de l'arbre dans la séquestration du carbone? L'arbre est le seul être vivant qui capte, qui absorbe ce carbone-là. Plus nous plantons d'arbres, plus nous épurons l'air de ce CO2 qui est le gaz carbonique. Donc l'arbre est la seule substance ou bien seul être vivant. Parce que les mers, normalement les mers séquestrent aussi le carbone dans les carbonates, la formation des carbonates. Mais actuellement les mers sont saturées. Ce qui fait que l'humanité compte uniquement sur les forêts. Et comme nous sommes dans une zone forestière, on compte énormément sur le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon. Quand on dit poumon, c'est ça qui nous permet de respirer. L'atmosphère respire grâce aux arbres. La forêt qui va capter ce carbone-là et libérer et épurer l'air, je ne sais pas, parce que l'air est pollué de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre. Mais pour dépolluer cette atmosphère-là, il faut que l'on plante l'arbre. C'est pour cela que la politique de reforestation ou bien de reboisement est très importante dans l'épuration de l'atmosphère.
De nombreux experts s'accordent aujourd'hui à dire que la lutte contre les changements climatiques passe aussi par la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et surtout par la restauration des réservoirs de carbone forestier. On a demandé aux industriels de diminuer les quantités de gaz à effet de serre qu'ils émettent. Ils tergiversent. Actuellement, on ne sait pas qui s'engage actuellement à diminuer. Ce qui fait que ce sont seulement ces arbres-là qui vont nous aider à capter ce gaz qu'ils émettent. Si on ne parvient pas à capter ces gaz, si nous décidons de couper les arbres, finalement le climat va se réchauffer de plus en plus. On ne sait pas ce que sera demain. C'est pour cela que nous encourageons nos pays à planter les arbres. À planter les arbres, mais de l'autre côté, on encourage aussi ceux qui polluent à donner de l'argent pour faire cet effort-là. Parce que planter un arbre, suivre cet arbre, suivre sa croissance a un coût. Et comme cette pollution vient d'ailleurs, elle vient aussi de nous, mais nous sommes moins responsables que ceux qui ont des industries. C'est ici qu'intervient le COBAM. COBAM, c'est un sigle anglais qui veut dire Congo Basin Adaptation and Mitigation. C'est en fait le changement climatique et les forêts du bassin du Congo, synergie entre adaptation et atténuation. Le COBAM est un projet à multiples volets. Il y a un volet déjà de recherche, ce volet de recherche sur les politiques d'adaptation et d'atténuation dans différents pays du bassin du Congo. Il y a un volet de projets pilotes sur le terrain. Et au niveau des projets pilotes sur le terrain, il est question de travailler avec les communautés pour mettre en œuvre des projets qui ont à la fois un volet adaptation et un volet atténuation. Le COBAM compte ici de nombreuses interventions concentrées au niveau du bassin du Congo. Au niveau du bassin du Congo, nous intervenons dans 5 sites et les 5 sites sont répartis dans 4 pays. L'unité d'observation dans le projet, c'est le paysage et les paysages de la conservation de la biodiversité. Et nous intervenons dans 5 paysages. Le paysage de Monte Allen Mont Cristal du côté de Guinée équatoriale, le paysage de la trinationale de la Sanga du côté du Cameroun, le paysage de lac Télé lac Toumba du côté de la RDC, le paysage de Maiko Taina Kaozi Biega du côté de RDC également et le Virunga du côté du Rwanda. Les communautés jouent ici un rôle déterminant. Les communautés sont les premiers adhérents parce que c'est les communautés qui souffrent le plus de perturbations climatiques. Donc c'est les communautés qui nous enseignent comment ces perturbations se traduisent dans leur propre vie. Maintenant donc nous apprenons beaucoup plus que nous ne donnons. Et par la suite, on va voir parce que nous sommes au début du projet, nous n'avons pas encore de grands résultats en dehors du fait que on a discuté ensemble avec les populations pour évaluer pour leur vulnérabilité et discuter de ce qu'il y a lieu de faire. Par la suite, nous allons voir dans quelle mesure nous allons mettre en œuvre les activités identifiées. Pourtant, les difficultés dans cette activité sont nombreuses. Même si la plupart des gens vivent le changement climatique, ne maîtrisent pas encore le concept. Donc le premier travail pour nous consiste à faire comprendre, à partager le concept et ensuite évaluer la vulnérabilité des gens par rapport à ces perturbations climatiques et aider les gens à s'exprimer et à trouver eux-mêmes la réponse à leur propre vulnérabilité et maintenant ensemble voir comment mettre en œuvre ces réponses-là de manière à finalement, à les aider à réduire eux-mêmes leur propre vulnérabilité au changement climatique. Il est donc reconnu par tous que la déforestation
libère à elle seule entre 16 et 20% du gaz carbonique dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement de la Terre. La réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts se positionne aujourd'hui comme un moyen simple peu coûteux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans cette perspective, la REDD+ ou réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et l'augmentation des stocks de carbone dans les pays en développement est un mécanisme proposé pour lutter contre les changements climatiques dans le monde. REDD+ est simplement réduction des émissions qui sont dues à la déforestation et à la dégradation. Et vous avez le plus qui est devant, qui est là pour simplement souligner le fait que on doit aussi prendre en considération les aspects augmentation des stocks de carbone par unité de surface. Pour faire face au changement climatique, vous avez deux grandes approches. Donc, vous avez ce qu'on appelle adaptation au changement climatique et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle atténuation au changement climatique. Adaptation au changement climatique suppose que le climat est déjà perturbé et vous faites l'effort de vivre avec un climat qui est déjà perturbé. Donc, vous développez un ensemble de stratégies pour vivre avec un climat qui est déjà perturbé. Je donne un exemple pour illustrer. Supposons que vous avez, par exemple, des populations qui sont habituées à une variété de culture. Une variété de culture et vous avez le climat, par exemple, qui devient très sec. Une réponse, par exemple, peut être de demander aux chercheurs qui sont dans les centres de recherche agricole de développer des variétés qui résistent à la sécheresse. Donc, vous voyez, ça, c'est par exemple une stratégie, on va dire, d'adaptation au changement climatique. L'atténuation, c'est les efforts que vous faites pour que le climat ne soit plus perturbé. Donc, à ce moment-là, c'est travailler véritablement à la source. Et sur le plan, on va dire, global, donc sur le plan international, donc, le constat est fait que si le climat se réchauffe, c'est parce qu'il y a émission des gaz à effet de serre. Ces émissions-là contribuent à perturber les paramètres climatiques. Donc, hier, on a pris l'exemple de la température pour illustrer. Donc, vous avez plus d'émissions de gaz, les températures, par exemple, s'augmentent, on va dire, de manière globale, même si à certains endroits, ces températures-là peuvent baisser. Mais de manière globale, on sait que les températures augmentent. Et si les températures augmentent, donc, et on voit bien que ce sont les émissions des gaz à effet de serre qui augmentent, alors il faut jouer donc sur les activités qui permettent les émissions de ces gaz à effet de serre-là. Et il se trouve donc que la déforestation donc, contribue donc aux émissions de gaz à effet de serre, principalement le CO2. Donc, si on a déjà identifié la déforestation comme contribuant aux émissions des gaz à effet de serre, donc il faut travailler en amont pour éviter cette déforestation-là. Donc, et l'ensemble des activités donc, que vous êtes en train de mener dans ce cadre-là entre donc dans le mécanisme donc, du REDD+. Il s'agit de trouver une compensation pour les efforts réalisés en matière de conservation et de préservation de l'environnement et surtout des efforts de lutte contre la destruction des forêts. Déforestation, déjà, il faut préciser, par exemple, vous transformez votre espace forestier en espace agricole, par exemple. À ce moment-là, vous êtes en train d'avoir une activité, on va dire, de déforestation. Mais on a précisé qu'il y a des activités de dégradation forestière. Donc, dégradation forestière signifie que vous transformez un espace forestier en un autre espace qui est forestier, mais qui n'a pas les mêmes stocks de carbone que l'espace initial. La REDD+, à cet effet, a prévu des mécanismes de compensation. On a pensé, on va dire, sur le plan international, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'il serait utile donc de compenser les efforts que les États qui ont la forêt font pour éviter cette déforestation-là. Donc, théoriquement, donc, on pense que les paiements devraient être reversés vers les pays qui font les efforts pour réduire la déforestation ou la dégradation. Donc maintenant, à l'intérieur de ces pays-là, il va falloir mettre en place des institutions nécessaires pour permettre que ces paiements-là aillent vers, on va dire, les agents de la déforestation pour les décourager, on va dire, dans leur processus de déforestation ou alors de dégradation. L'atelier de Douala organisé par le COBAM a permis de découvrir
une expérience déjà mise en œuvre au Cameroun dans deux communautés par le Centre pour l'environnement et le développement. Le Centre pour l'environnement et le développement, le CED, a mené les activités dans le cadre d'un projet pilote que nous appelons le paiement pour les services écosystémiques dans deux forêts communautaires. Une forêt communautaire de Ankolénien, dont le nom c'est AFAN, Association Femmes et Hommes Amis d'Ankolénien, qui est basée au sud du Cameroun, dans l'arrondissement de Djoum, du département de Djaélabo. Et une autre communauté qui est une communauté autochtone, c'est-à-dire c'est les populations qu'on appelle les premiers habitants de la forêt, si vous voulez, les pygmées, dans Anomédjo, dans l'arrondissement de Lomié, département de Ognon. Et il était question de voir comment aider les communautés à gérer leur forêt de manière durable à travers le paiement. Donc, on paye les communautés pour développer les activités qui vont leur permettre de protéger la forêt, de restaurer la forêt et d'améliorer les conditions d'existence, les moyens d'existence. Ici, on a commencé par identifier des activités contribuant à la destruction des forêts. Nous avons vu l'agriculture mixte, dont on fait l'agriculture pour la banane plantain, pour les haricots, le maïs, les arachides. Et je prends l'exemple de banane plantain. La banane plantain, c'est une culture qui souvent s'attrape des maladies causées par les nématodes. Et quand il y a les nématodes, le paysan, après 3 ans, 2 ans, 1 an, ça ne donne plus. Donc il est obligé de changer. Il quitte, il détruit une autre espace vierge pour planter. Après 2 ans, n'est-ce pas, les nématodes se transfèrent là-bas et c'est ça la déforestation. Donc une des activités pour freiner cela, c'est identifier la cause, c'est les nématodes. Parce que les gens n'utilisent pas les rejets sains. Donc on a formé les communautés à produire les rejets sains à travers une méthodologie qu'on appelle PIF. Donc on produit eux-mêmes, ils sont en train de produire ces rejets sains qui sont plantés maintenant. Et c'est très possible de faire l'agriculture dans un milieu intensifié, l'agriculture. Une autre chose, c'est de travailler avec les structures de recherche comme l'IRAD, le CIRAD, comme les IITA. Donc, qui ont produit, qui ont fait la recherche sur la butée de manioc, sur le cacao amélioré, donc les cultures qui sont résistantes aux maladies, qui produisent beaucoup. Donc, on a apporté cette technologie aux communautés. Un contrat, des engagements ont été pris par les communautés. Tout le monde doute les communautés. Les gens disent que les communautés, on a lancé le projet, beaucoup disent, est-ce que les communautés peuvent faire ce genre de choses? C'est les exploitants forestiers parce qu'ils ont des experts forestiers. C'est les organisations de la conservation parce qu'ils ont les experts. C'est le gouvernement, le service technique du gouvernement parce qu'ils ont des experts. Mais les communautés ont géré ces forêts depuis très longtemps. Donnez-leur la confiance, donnez-leur l'appropriation. Donc aujourd'hui, on parle de forêts communautaires qu'on peut gérer pendant 25 ans, une nouvelle ère. Si on peut quitter au-delà de 25 ans, on dit que ok, ça vous appartient. Donc, gérer ces forêts demande pas seulement les forêts qui entourent les communautés. Faites la confiance et on est en train de voir. Je ne veux pas parler ici, je propose que vous visitez un Koulénien, un de ces communautés, et voir comment les communautés sont en train de gérer la forêt, comment ils sont en train d'utiliser les paiements. Et je dis bien les paiements. Les paiements, c'est pas l'argent qu'on partage au ménage, c'est l'argent qui est payé sur la base des activités d'un plan d'action qui est développé par différents types d'activités. L'apiculture, l'élevage, le pâturage, l'agriculture durable, où on voit les femmes qui sont en train de faire les champs d'expérimentation de manioc, puis multiplier les butus de manioc. On a les femmes qui sont en train de faire multiplier les rejets de bananes plantaines à travers un système qu'on appelle PIF. En retour des efforts entrepris dans la conservation, des paiements directs ont été effectués. Les paiements entrent directement, donc cash, dans les deux communautés, l'association Femmes et Hommes Amis d'Ankolénien, qui est l'entité légale pour Ankolénien, et Bouma Bokode, qui est entité légale pour Ankolénien, pour Nomédjo, ils ont deux comptes. Donc,
Le paiement est réparti en 5 ans. Chaque année, l'argent pour l'année est versé dans le compte de la communauté. Cet argent, comme je disais, est partagé, n'est-ce pas, dans les différentes activités qu'on a identifiées. Cette expérience menée dans deux communautés au Cameroun a tout de même rencontré quelques difficultés. Les gens voulaient vite avoir le paiement sans que, n'est-ce pas, les mesures d'accompagnement ne soient pas terminées. Mais c'est quelque chose que nous avons déjà dépassé. Une autre difficulté, c'est la durabilité de cette initiative. Donc nous avons mis en place des mesures, n'est-ce pas, le renforcement des capacités des communautés pour mener ces nouvelles activités alternatives, pour suivre leurs propres forêts, n'est-ce pas, pour changer la manière culturelle dont les activités qui détruisent la forêt. Mais il faut, nous seulement comme organisation, ce n'est pas suffisant pour faire cet acte. Il faut que les services étatiques, dont les postes forestiers, les postes agricoles, les postes d'élevage qui se trouvent dans les villages, n'est-ce pas, accompagnent la communauté, parce que nous ne pouvons pas être là tout le temps. Et aussi, hein, n'est-ce pas, ça c'est dans les perspectives de savoir que l'État intègre ce genre d'initiatives dans les politiques. Je parle des politiques des forêts communautaires, politiques REIT, je ne sais pas, changement climatique. Comment les communautés peuvent être impliquées dans les processus de réduction des émissions sur la déforestation et la dégradation des forêts. Au niveau de l'Afrique centrale, il est attendu une appropriation des techniques et des mécanismes de mesure, notification et vérification des stocks de carbone, afin d'intégrer cette nouvelle approche dans leur champ d'action d'une part, et de l'utiliser comme outil de négociation dans les instances internationales d'autre part. Lorsqu'on parle de projet RED, et on parle de montrer qu'on a soit aidé à réduire la déforestation, soit à réduire la dégradation, ou on a amené les gens à augmenter les stocks de carbone. Donc, tu peux le dire, mais tant que tu ne peux pas montrer, tu ne peux pas convaincre. Donc, pour montrer, pour convaincre, on a besoin d'un ensemble de méthodologies acceptées et reconnues. Et cet atelier a pour but d'échanger sur ce qui est déjà fait et de communiquer aux uns aux autres tout le processus qui va de la mesure, du suivi, la notification et la vérification. C'est pas le mécanisme est un peu complexe. Ceux qui suivent et notifient, ce n'est pas les mêmes qui vérifient. Les efforts qui sont mis en place dans le cadre du RED donc, consistent autant que possible à réduire et la déforestation et réduire la dégradation, ou encore à transformer les espaces qui ne sont pas forestiers en espaces forestiers. La prise de conscience dans la plupart des pays de la sous-région est significative. Je dois dire que depuis quelques années, il y a des efforts qui sont faits en vue de pouvoir quantifier les stocks de carbone sur l'ensemble du territoire national. Le premier travail qui a été fait a consisté à pouvoir faire le point des données disponibles au niveau d'un centre que nous avons là-bas à Brazzaville, qu'on appelle le CENIAF. C'est le centre national d'inventaire des ressources forestières et autres. Et là-bas, ils ont un département qui s'occupe essentiellement de l'inventaire forestier. Donc il y a ces données-là qui existent, qui sont des données qui ont une certaine qualité. Il y a tout cela. Il y a aussi un deuxième niveau où il y a des données disponibles, c'est au niveau des différentes concessions forestières, donc, qui ont aussi des services d'inventaire. Ils procèdent à des inventaires aussi. Depuis 2 ans, au niveau du Congo-Brazzaville, s'est développé un projet pilote RED. C'est le projet WRI en partenariat avec le ministère des Forêts. Et ce projet-là s'emploie donc à pouvoir quantifier non seulement les stocks de carbone sur l'ensemble du territoire national congolais, mais aussi à pouvoir estimer aussi les émissions de CO2
qui sont dues au changement de couverture forestière. Et lorsqu'on parle de stock de carbone, un concept qui nous intéresse, nous, parce que nous traitons des questions sur les changements climatiques. Stock de carbone, tout de suite, ça nous ramène à la REDD+. Okay? Et c'est d'ailleurs une bonne chose d'être ici parce qu'on vient échanger avec les autres pays sur les avancées faites dans ce domaine-là. C'est vrai qu'au Gabon, nous avons, on va dire, peut-être un petit retard, mais ce n'est pas un retard qui prouve qu'on ne fait rien. Non, c'est peut-être parce qu'on part d'abord sur la base des études qui sont faites au niveau national, okay, les projets pilotes, et puis sur certainement, enfin peut-être pas certainement, mais des arrangements institutionnels qui sont propres au Gabon, et puis le développement d'un plan d'affectation des terres pour pouvoir mieux savoir quelles sont les parties qui sont dédiées par exemple à l'agriculture, quelles sont les parties qui sont dédiées au développement économique, par exemple la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Okay, ça peut être minier, pétrolier, etc. La RDC a déjà beaucoup évolué, puisque à suivre ce que les experts ont présenté, le processus s'étale sur trois phases. Sur trois phases, la RDC a déjà dépassé les deux premières phases. Donc nous sommes maintenant à la phase d'action et donc d'évaluation aussi. Quand on parle d'action, donc il faut les suivre maintenant de ces actions-là en vue d'arriver un jour à l'évaluation des résultats. Puisque les histoires de consultation, la mise en place des lois, le montage des institutions devant suivre ce processus, tout cela au niveau de l'RDC c'est déjà fait. Donc on est maintenant à l'étape qu'on a des RPP, donc où on a déjà produit le plan d'action pour arriver à rendre effectif le processus. C'est un thème qui est tout nouveau et qui n'est pas connu au niveau national. Alors, en bénéficiant de cette formation, c'est une opportunité pour moi personnellement, mais et pour aussi mon pays, puisqu'il y a très peu de personnes qui ont eu cet avantage de bénéficier d'une telle formation. Il est vrai qu'au Rwanda, il y a très peu de forêts et il y a très peu de superficie forestière, mais le peu que nous avons, on a besoin de connaître les stocks en carbone dont nous disposons. Nous avons des parcs nationaux qui sont très menacés par la dégradation et la déforestation suite surtout à la pression humaine. Et alors comme nous, les partenaires en conservation et au développement, et surtout ceux qui sont basés au niveau de ces aires protégées, et nous sommes en train de faire tout notre mieux pour travailler avec les communautés pour pouvoir trouver les moyens possibles de conserver ces réserves dont nous disposons, très peu de réserves dont nos forestiers dont nous disposons. Dorénavant, pour bénéficier des retombées de la REDD+, les pays concernés doivent produire des documents mettant en lumière le taux de carbone émis, ensuite la quantité évitée grâce aux initiatives de conservation de leurs forêts. Cela requiert la mise sur pied d'un système fiable, crédible et reconnu de monitoring des stocks de carbone, de notification et de vérification. Mais seulement, ce système de surveillance exige des coûts importants et des techniques pas encore assimilées dans la sous-région. C'est donc là désormais le nouveau défi dans la lutte contre les changements climatiques.